toujours de l'improvisation qui arrive à tes portes. On peut poser devant des tableaux vivants ou même des natures mortes. Continuez tout à l'heure, maintenant je suis bavard. Dans une heure, je fais une impro à la Galerie des Beaux-Arts. Pour ma part, ça a été inspirant. Déjà, c'était des thématiques qui nous touchent tous. La thématique écologique, du cataclysme qui arrive parce que l'humain ne fait pas attention à la nature. Et il nous murmure les menaces d'un son de cloche muet, mais nous restons sourds à son message, un petit peu comme les miaulements d'un mâtou emmuré. La fin de nos destins l'évite. Nous, on l'évite et on se lève face au second Léviathan, celui des puissants. On essaye toujours de faire une part écriture, une part improvisation. Écriture, parce qu'on présente le slam est un art d'oralité, mais qui est de base écrite. Écriture, parce qu'il faut qu'on soit clair dans nos propos et il faut qu'on porte le message de l'œuvre jusqu'à au public. On leur demande de nous sortir un mot qui est en lien avec une des photos, mais sans nous dire laquelle. Et nous, le but, c'est de la trouver. Yo, et maintenant, je l'ai senti, je suis animé. Je fais des références au dessin animé. Peut-être que je tiens les manettes. Si tu parles d'un monstru, est-ce que c'est celle de Lafayette? Parce que celle-ci, je la trouve un peu sombre. On peut se répondre. T'as le droit de me faire des noms, t'as le droit de me faire des oui. T'as le droit de sentir qu'en prénom, je sens la bouillie, ok. Et clôturer une visite par une improvisation où il y a un échange réel qui laisse finir sur des sourires et un peu d'énergie, c'est toujours agréable.